Bonjour, oui, c'est bien. Aïe, 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 aïe. C'est bien parti. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Excusez-les, vous les avez sans doute reconnus au centre Miu Miu. Et de chaque côté, sans moustache, Michel Blanc. Et de l'autre côté, bien sûr, Gérard Depardieu. Ce putain de film avec une putain de musique sort cette semaine sur vos écrans. Vous avez compris qu'il s'agit de tenue de soirée. Quant au mot que j'ai employé, c'est le mot de la campagne de publicité pour un film qui sort de l'ordinaire et qui est déjà considéré, pour ceux qui ont vu Les Valseuses, comme, ainsi que le définit Gérard Depardieu, Les Valseuses de l'an 2000. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je suis sûr qu'on en parlera ailleurs. Extraordinaire personnage. Vous l'avez vu, Gérard Depardieu, vous étiez à Milan hier. J'ai vu à Milan l'intégrale, ils avaient retransmis l'intégrale à la RAI. Et c'est vrai que c'est époustouflant. Oui. Alors, voilà donc réunis Depardieu, Miu Miu Blanc, le trio infernal. Il ne manque que Gainsbourg qui a écrit la musique du film. Bon, alors, comme il va falloir procéder dans l'ordre, qu'on a le temps, Alain Beverini, critique de cinéma, a vu Tenue de soirée. J'ai vu Tenue de soirée. Et alors, bon, la partie la plus importante, la partie immergée de l'iceberg de Tenue de soirée, c'est l'énorme éclat de rire. Ça, c'est sûr que quand vous allez le voir, vous allez éclater de rire. Mais cet éclat de rire cache aussi, et vous allez le découvrir séquence après séquence, énormément de tendresse, énormément de pathétique, parfois même de cruauté. Et c'est un petit peu finalement comme dans la vie. Parce que dans la vie, on rigole et puis le coup d'après, on pleure. Et dans le film de Blier, on va passer du rire aux larmes, du larme au rire pendant 1h25. Je crois que le rire triomphera et que ce sera un grand succès populaire à cause du rire. Mais ne nous y trompons pas, Bertrand Blier nous raconte une histoire d'amour. Alors on va rentrer dans le détail tout à l'heure pour savoir de quels amours il s'agit. Oui, mais si tu me laisses le détail. Mais si vous me laissez terminer, je vais dire un détail d'affection. C'est vrai ça. Un détail d'affection. Oui. Et qu'il s'agit donc d'une histoire d'amour et qu'il s'agit de la difficulté d'aimer, que la difficulté d'aimer, que ce soit des amours hétéros ou des amours homo, ça ne change en rien au problème. Au XXe siècle, c'est très difficile de s'aimer, c'est très difficile de se le dire et de se le prouver, de se le montrer. Donc on n'est pas très très loin, et là je vais rentrer dans la provocation de Blier, on n'est pas très loin de Racine, malgré une langue qui serait passée du côté de Céline, par exemple, pour faire un raccourci saisissant. Et alors maintenant rentrons dans l'histoire si vous le voulez. Un homme et une femme sont en train de finir leur amour, c'est Michel Blanc et Miu Miu. Un autre homme arrive, c'est une espèce d'ange, une espèce de loubard homo, un petit peu comme Jean Genet les aimait. Il sera d'ailleurs capable de trahison, comme dans les personnages de Genet. C'est Gérard Depardieu. Et curieusement, dans les trois premières minutes du film, il va déclarer sa flamme à Michel Blanc. Et je vous garantis que quand vous verrez Michel Blanc, au bout d'une heure de film, ou 50 minutes de film, céder enfin aux avances de Gérard Depardieu, eh bien, tous les hétéros machos qui seront dans la salle ce jour-là, ben, ils auront un petit peu une larme à l'œil. Ah bien, très bien. Oui, ah ben, je voulais le laisser aller jusqu'au bout. Alors nous allons quand même regarder quelques images avant que Marie-Laure ne vous dise ce qu'elle en a pensé. Un regard de femme sur cette tenue de soirée. Alors, Marie-Laure. Il y a l'éclat de rire que disait Alain, c'est vrai. Et ce qui fait que rien n'est jamais vécu en drame, même à travers les ruptures, etc. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est de grands, grands moments d'émotion. Alors, il y a une performance d'acteur fabuleux. Moi, je donne le pompon à Michel, car l'émotion et la tendresse à travers lui, c'est vraiment parfois très, très touchant. Ouais, ça vous gêne pas? Ah, moi, tous les deux, pas, non? Ah non, non, pas du tout, au contraire. Je donne le pompon à mes deux partenaires. Non, mon pompon aussi. Non, c'était lui. De toute façon, il avait le rôle le plus dur. Le plus difficile. Non, le tien aussi est très difficile. N'en parle pas. Je trouve qu'il y a une petite escroquerie derrière tout ça. C'est que c'est un personnage auquel on s'identifie. Alors donc, c'est pas tellement la performance d'acteur. C'est l'identification possible. Alors qu'on a en face une espèce de diable
auquel on ne s'identifie pas personnellement, on est fasciné comme est mon personnage, et puis quelqu'un comme Miu qui attaque très très fort dans la dureté vis-à-vis de moi. Donc je crois que c'est pour ça qu'il y a cet équivoque. Mais je veux pas jouer les modestes, hein. Oui, oui, oui. Moi je suis ravi que vous disiez ça, mais je pense que c'est vrai qu'il y a un bel très équilibre. Très équilibré. Et je crois que l'humour et la tendresse sont deux éléments très très importants, car s'il y a des gens qui pourraient être choqués par certaines scènes, en fait, c'est ça qui remporte le dessus. Oui, je crois que vous avez assez bien défini, genre de par Dieu, les valseuses de l'an 2000. Oui, parce que c'est le moment où on peut dire un certain nombre de choses. Quand Blanc parlait d'identification il y a quelques instants, je trouve que ça, c'est assez net, en définitive. Ça peut aussi nous arriver. Bon. Absolument. Hein? C'est vrai que les valseuses, quand on a fait les valseuses, ça a déculotté un peu 68. Et là, de par le langage et de par ce qu'on attend, parce qu'il y a quand même un film qui est dans la grande tradition des Janson, des Carnet Prévert, des Gabin, Bourville, enfin tous ces gens-là. Enfin, Jouvet aurait très bien pu jouer ce rôle, Michel Simon pareil. Enfin, et là, on est dans le verbe à venir, surtout avec la. Enfin, les gens sont désinhibés, quoi. Maintenant, on n'a plus de PD honteux, enfin moins. Enfin, il y en a encore qui restent honteux. Enfin, moi qui fais la province beaucoup en ce moment avec la tournée de Barbara, je m'aperçois que les zones rouges sont de plus en plus vastes. Et puis qu'il y a des carnets qui fonctionnent, des adresses, on ne sait pas. Bon, et c'est vrai, il ne faut pas se le cacher. Et je crois que le verbe qui est dans ce film nous montre aussi qu'on peut être normal en étant comme ça. Quand vous l'avez pris le scénario la première fois, Miu Miu. Quand je l'ai pris? Oui. Non, mais comment ça s'est passé, votre rapport? Génialement. L'histoire. Bah, je l'ai lu très vite, comme tous mes camarades. J'ai pleuré de rire, comme tous mes camarades. J'ai appelé tout de suite et j'aurais été folle si je l'avais pas fait, quoi. Vous l'avez beaucoup travaillé ensemble? On a peaufiné au cours peaufiné, oui. D'une nuit dans un autre. Un petit séminaire. Non. Pas une nuit, c'était un petit week-end comme ça. Un petit séminaire. Ça plaît souvent, on se voyait. Enfin, ah, vous avez mis au point une tenue de soirée dans un petit séminaire. Oui, bien sûr. Enfin, oui, séminaire, c'est un film de curé. De travail. Séminaire de travail. Oui. Non, mais ce qui se passait par contre, et qui est vrai, c'est qu'on avait un tel plaisir à l'idée de jouer certaines scènes qu'on se les a beaucoup jouées pour nous, entre nous, en dehors du plateau, comme ça, parce qu'il y avait une vraie gourmandise à dire ce texte-là. Alors on l'a beaucoup travaillé finalement, mine de rien. Ce qu'on ressent aussi, et depuis qu'ils sont arrivés tout à l'heure, c'est qu'il y a de toute façon une grande complicité entre trois. Et encore, on se retient. Et encore. On se retient énormément. Quand Michel Blanc parle de gourmandise par rapport au vocabulaire du film, je crois que un des éléments qui va choquer les gens, et qui va peut-être les choquer dans le bon sens du terme, c'est justement le vocabulaire. C'est-à-dire des mots que tout le monde utilise tous les jours, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'entendre plus exactement dans une scène. Et alors, je crois qu'il faut appeler un chat. Et un chat, quand Gérard Depardieu dit à Michel Blanc « Je vais t'enculer et tu vas jouir », je crois que ça va quand même faire bouger dans les familles. Oui, ça, je vais vous dire, ça fait déjà bouger tout de suite. Oui, hein, il faut y aller. Surtout même dans votre bouche à 13h31. Non, mais alors, la séduction... Je suis ravi que ce soit lui qui l'ait dit. C'est bien, hein. La séduction, il faut se dévouer pour les bonnes causes. Ça commence comme ça finit par une pension alimentaire. Alors je voudrais savoir l'aspect de la gourmandise de Michel Blanc et de Miu et de Gérard. Quand vous avez lu ce texte-là, vous avez tout de suite pensé à l'aspect provocateur de la langue ou à la beauté de la langue? Oui, enfin, moi, j'avais pas pensé que vous le diriez. Bah, il s'y vient. Mais simplement. Mais simplement, il y avait. C'était pas tellement le vocabulaire, hein, c'est l'ensemble de la langue. C'est pas le mot, c'est la manière dont Blier écrit. La musicalité. Et il écrit musicalement comme les grands auteurs de théâtre. Quoi que certaines personnes puissent en dire, comme les grands auteurs de théâtre, mais vraiment de littéraires, écrivent. Et ça, c'est extraordinaire, parce que vous citez cette phrase-là, mais juste après, qu'est-ce que me dit Gérard? Je crois ta phrase, c'est... En liberté, il n'y a pas de gardien. Je vais t'enculer, ton fion. Et la suite avec tout ce que je vois, c'est deux garçons, etc. Comme merveilleusement fait l'un pour l'autre, voilà. C'est ça, oui. C'est... Comme le ciel et la mer, Monique, c'est rien qu'une mouette, t'enlèves la mouette, ça change rien au tableau. C'est ça. C'est très beau, c'est une langue, c'est écrit. Et il parle bien des femmes en plus, Bob. C'était un plaisir de retrouver Blier. Ah oui, mais moi je l'ai jamais bien perdu parce que j'ai toujours cherché les mots dans les films finalement, plus que les images, parce que les images, on peut en faire. Mais les mots qui amènent une histoire et des émotions, ça c'est plus difficile.
Et moi, j'ai jamais véritablement quitté Blier, comme, de même que Weber, de même que Maurice Pialin, quoi qu'on dise qu'il n'écrit pas ces choses, alors qu'il les écrit aussi, très fort. Et c'est vrai que ça, moi, je suis un amoureux des mots. D'ailleurs, j'aime la langue de Molière, la langue de Marivaux, et la langue de Blier, aussi, de même que celle de Genet, de Cocteau. Vous savez, pourquoi vous riez bêtement. Elle rit, parce qu'elle rit. Elle est énervée, puis elle a envie. Non, très bêtement. Justement, on disait de Bertrand Blier, jusqu'à encore hier, que c'était un metteur en scène misogyne. Et là, je trouve que ce film est la démonstration même de l'inverse. Est-ce que vous, qui le connaissez depuis plus longtemps, est-ce que vous pensez que c'est un misogyne quelque part, ou au contraire, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes? Moi, je crois qu'il aime beaucoup les femmes. Je crois qu'il y a plus de misogynie dans Rambo, dans Musclor, dans Duelliste, dans, je sais pas moi, Les Spécialistes, dans tous ces films où il n'y a pas de femmes. Je ne vais pas dire un des seuls metteurs en scène qui donne un rôle à une actrice, je ne vais pas dire qu'il est misogyne, ça serait vraiment une bêtise. En plus, il parle très très bien des femmes, et quand Gérard drague Bob, ce cher Michel, il lui parle d'une femme, une robe, peut-être qu'ils aiment pas beaucoup Monique, mais en tout cas ils adorent la femme, les femmes. Qui va reprendre du reste son indépendance, qui va se révolter. Oui, absolument. De toute façon, je veux dire que les hommes sont aussi mal lotis que les femmes dans ce film quand même. Oui. C'est le mal d'aimer, quoi. Vous attendez à ce que ça fasse du raffut à partir de mercredi? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai l'habitude un peu du raffut, mais je ne sais pas vraiment. Les valseuses avaient été, où c'était sorti, un événement qu'on matraquait. Il y avait toute une partie, disons, des critiques ou des journalistes qui avaient tapé dessus à tour de bras. Dans Les Valseuses, on était souvent à poil, en plus. Ça choquait beaucoup. C'était avant le porno. Il y avait eu quoi, un film qui avait choqué, qui était Le Dernier Tango à Paris. Mais là, dans Les Valseuses, d'un seul coup, c'était bonjour la fraîcheur. Tandis que là, on est. Puis c'est autre chose. C'est un autre sentiment. C'est plus un sentiment sur l'amour que sur la sexualité. C'est une époque dans laquelle il faut s'aimer honnêtement, en même temps, avec ses qualités, ses défauts. Et ce qu'il y a de bien dans le langage, c'est ce qui nous amène au lyrisme, et puis ce qui fait peut-être que les gens seront scandalés, mais scandalisés. Mais je sais même pas, ça va tellement vite. C'est un film qui est en mouvement, c'est un film de liberté qui va tellement vite. C'est ça d'ailleurs le point commun avec Les Valseuses. C'est un film qui va très très vite. Donc je crois que c'est un coup qu'on prend comme ça, mais en tout cas, on ne peut sortir qu'en disant merci d'avoir eu une émotion, dans quel sens qu'elle se soit passée, mais on n'a pas rien eu, quoi. Bob est totalement amoureux d'Antoine, parce qu'il est amoureux de ce qui résiste d'Antoine. Quand il lui dit cette phrase, regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime, c'est quand même une belle phrase. Et cela dit, je dois dire que c'est... totalement amoureux, mais quand même, avec l'ambiguïté, on ne sait pas très bien quels sont ses calculs permanents, s'il y a calcul, ces maisons dans lesquelles il entre, où en définitive le spectateur se demande... Il n'y a rien de plus triste que de jouer un amoureux transi. Hein, c'est comme de jouer Célio dans les pièces de Musset. Je préfère Octave, mais c'est vrai que Célio, c'est très difficile. Et ça devient souvent triste. J'aime bien l'ambiguïté, et puis je pense que ces maisons sont travaillées, préparées. Les carnets d'adresse sont chauffés. Et les liasses de billets qui sortent de sous les moquettes sont là, et Bob regarde ses yeux, l'œil de Monique qui se dit tout à coup, mais je veux pas, j'en ai marre, moi, je veux sentir bon, j'en ai marre de ressembler à une serpillière, je veux de la soie. Et ce qui est assez rare, c'est qu'on n'a jamais vu dans un film une femme qui maque son mec. Puis elle a une grande tirade où elle dit les choses quand il faut qu'il y aille, et lui il est là. Et puis ça, c'est bon. Ah, il n'a pas le choix. Vous y êtes allé sans regret? Il y va autant, en tout cas, autant par amour pour le... Je vous répondrai après. Il va autant par amour pour le... Oh, bah c'est un mauvais moment à passer, mais... Non, je crois que le plus difficile à faire, c'est pas du tout la plus violente, quoi, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas faire les choses au cinéma. En revanche, ce qui est très difficile, c'est un baiser
une caresse, et c'est comment on arrive à ça. Alors là, c'est ce que j'aime bien d'ailleurs dans l'acte, finalement, c'est d'aller au bout, c'est vrai. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'image. Là, la première fois. C'est très beau, parce qu'en plus, c'est très simple pour moi, c'est vrai, parce que ce qui est joli, c'est quand on a un regard comme celui de Michel qui attend comme ça, bon, il n'y a rien de plus simple que d'être un énorme orque qui va le sauter. Ah, le bois. Le dernier mot, c'était pas. Je pensais pendant qu'il parlait de ce personnage qui est quand même un petit peu un voyou et qu'il est trahi et tout ça, on retrouvait effectivement l'univers de Jeunet. Et le dernier mot, ça sera sur le Festival de Cannes, parce que le film sort après-demain à Paris. Mais qu'à Cannes, il va être un des événements importants du festival. Et il y en aura d'autres. Ah. Mais qui va avoir le prix d'interprétation ou qui va avoir la Palme d'Or? Bon, attendez, on ne va pas commencer à... Non, mais qu'elle est agaçante. Déjà. Quand on les fait à cette date-là, on se trompe toujours. Hein. Ça, c'est sûr. Mais ça sera très difficile de déterminer parmi les trois qui aura un prix d'interprétation. Pour le moment, il y a d'autres films. Ah, oui. C'est vrai, il y en a d'autres. Il y a des petites choses. Vous avez connu cette période, par exemple, quand la grande bouffe de Ferreri a été sélectionnée pour le Festival de Cannes, les protestations à l'époque. Je crois que quelques partis politiques avaient dénoncé le drapeau français qui flottait sur une telle cochonnerie. Vous avez l'impression que on risque d'atteindre encore de tels excès de langage aujourd'hui? Je crois que ça a évolué quand même, en politique aussi. Oui. Ah oui. Eh bien, on verra. Hein. Oui, on verra. Hein? Okay. Bon, ça serait drôle. Oui. Ah ben ce sera formidable. Ce sera peut-être pour mercredi. Du reste, vous sortez à 14h mercredi sur les écrans. C'est à peu près la même heure que les questions orales à l'Assemblée nationale. Pour l'occasion d'en reparler, peut-être. Voilà. Alors, en tout cas, comme dit l'affiche, un putain de film. Comme il est moins 20, là, je pense que ça, on peut le dire. Et je vous signale aussi que... Oui, on l'a dit à 13h, oui. Et je vous signale aussi la sortie de la musique du film. Une musique signée Serge Gainsbourg. Voilà, et puis, puisque nous sommes dans le cinéma, restons-y, quoique on ne va pas beaucoup y aller avec Andy Warhol, on aurait pu y aller, mais là, cette fois-ci, c'est plutôt pour parler de peinture, Marie-Laure, avec l'exposition dans une galerie française d'Andy Warhol. Oui, une exposition faite exclusivement pour cette galerie française, la galerie Lavigne-Bastille, et vous allez pouvoir ainsi redécouvrir Andy Warhol grâce à Nicole Brice. 56 ans. En 1962... Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous signale aussi que est disponible en France le magazine de Warhol Interview. C'est celui du mois d'avril. Alors, à propos... je sais que vous tournez en France avec Lily Passion. Ça marche bien, je crois, non? Oui, très bien. On est très bien. On est très contents. Ce soir, on est à Lyon. Après, on fait Nîmes, Marseille. Avec Toulouse, l'autre jour, ça a été un triomphe. Oui, je crois qu'il y a eu 1h10 de rappel. C'était... Ça fait 1h25 de spectacle. Non, on n'a jamais eu ça. Il s'est passé une communion, quoi. C'était très, très beau. Puis bon. Et comme je sais qu'à propos de cette tournée, vous aimez bien vous déplacer de table en table, parce que vous êtes un de bar en bar, de table. Regardez le guide Hachette France qui vient de sortir. C'est le nouveau. Celui de cette année avec. Particulier, mais nous y reviendrons, la consécration de Maxima. Merci. Tenez, voilà. Ah, merci. Guide Hachette France. Parfait. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à la terre, alors je vous ai gardé. La glaise. Pour dîner le dimanche chez Hachette aussi. La glaise. De Georges Delbar, le jardinier du monde. Alors, vous avez tous les renseignements pour pouvoir biner ou racler. Voilà. Moi, j'ai un petit cadeau pour Miu Miu. Eh ben, voilà. Jolie petite pluche qui cache bien son jeu, regardez. Voilà. Quand on le tire bien, il y a un petit bisou. Voilà, c'est toujours pareil. Oh, on change. Ça s'appelle un pop-ups. Comme vient de le dire Marie-Laure, Oui, c'est ça. Alors, ça, j'en étais sûr. Je regardais René Tendron tout à l'heure quand on parlait de tenue de soirée. Il avait l'air déjà de rire à la Bourse de Paris. Ben oui, je m'attendais à ce que vous me disiez putain de bourse, effectivement, Yves Mourousi, parce que ça continue de monter. Et mercredi, ce sera...